voilà, découverte d'une chapelle. En longeant les pointes de Bretagne, du Finistère, donc Finistère Sud. Donc sur la route en fait pour aller à la chapelle. Pas à la chapelle, pardon, pour aller à la pointe du vent, puis la pointe du Raz. Enfin, je me suis arrêté ici pour manger. C'était à l'ombre. Donc ce qui est bien agréable parce que par dehors il fait 27 hein, quand même, puis en plein soleil bon, c'est un peu violent quoi, parce qu'en bas là il y a la plage avec les rochers et tout ça, mais ça cogne, c'est des dunes en fait, il n'y a absolument pas d'ombre. Donc voilà, donc bah, on va découvrir cette chapelle ensemble. Bonjour monsieur dame. Alors, quelle époque? Qui c'est qui pourrait me dire maintenant à quelle époque c'est direct comme ça là? Hein? Sans attendre que je le dise. Et puis qui sait où c'est cette chapelle exactement? À part les informations que je vous ai données. Parce que finalement on ne sait pas. Donc je vais pas vous le dire en fait. Ce sera à vous de le découvrir comme ça. Avec les informations que je laisse. Ouais, je vous en donne une là. L'information. Hop là. Il y a un petit vent, c'est vraiment très agréable. Petite brise. Hein. Les pommiers. Ils font des pommes. Elle est déjà là-bas devant. Pour les amateurs de pierre, voilà, c'est un plaisir. Voilà, la bonne pierre médiévale, elle vient travailler. Peut-être du granit. Regardez-moi ce style. Ah, on continue.
vais pas vous montrer le nom, hein. C'est trop facile. Moi j'ai le panneau sous les yeux, je vais regarder. Monsieur. Regardez comment c'est magnifique ça. Le travail de la pierre. Des œuvres d'art. Donc ici, il y avait l'abbé Roger P. Cette chapelle. Donc on pense à lui ensemble. Voilà, donc c'est la chapelle Saint. Mais je vous dirai pas, Saint quoi. Faites des photos à l'intérieur, il y a quelques petites règles. D'accord. Ne soit... pas utiliser le flash. Il y a plusieurs petites règles. La meilleure solution, c'est que vous les lisiez. Ok. Moi, j'utilise comme ça, vous voyez, mon appareil. Il fait rien de plus. Il fait ce que vous lui demandez. Ah, exactement. Enfin, j'espère, en tout cas. Ne pas utiliser le flash, il ne le fera pas. De procéder avec mesure normale. D'agir à des fins privées, désintéressées, automatiquement. C'est pas mon cas. Ne pas gêner les autres visiteurs non plus. Et ne pas toucher aux objets. C'est pas mon cas. Moi, je suis là pour montrer à mes amis les endroits que je découvre. Pour votre plaisir. Pour mon plaisir et pour tous ceux que j'aime, leur montrer ce que j'aime. Et faire partager la culture celte, la culture bretonne, la religion chrétienne. Voilà. C'est un beau programme. C'est un beau programme. Et c'est d'un usage qui est amical. On fera pas de DVD, on fera rien de tout ça, on n'est pas là pour ça. Il y a parfois des gens. Non, parce que c'est tellement magnifique qu'il y a moyen qu'il y ait des gens qui viennent justement pour ça. Ah oui, mais il y a parfois des gens qui ont aussi des démarches plus commerciales. Ah oui, j'imagine. Je vais faire ma petite balade, monsieur. Oui, merci en tout cas. Si vous voulez utiliser cela, ce n'est pas une obligation. Hein. Vous avez ici un petit guide interne qui vous décrit la chapelle en partant de là. Parce qu'ils suivent. D'accord. En partant d'ici, ça a été fait en proposant un circuit. Donc en partant d'ici et en tournant dans le sens des aiguilles. D'accord. Une toute petite précision. Oui. Et je vous laisse tranquille. Oui. Derrière la porte, là, vous verrez un écran de télévision. Sur cet écran de télévision, vous pourrez voir en 5 minutes les plus belles sculptures des poutres qui sont en haut des murs, des poutres sablières. D'accord. Ça évite de se fatiguer à se tordre le cou. Vous savez, là, j'ai pas mis ma minerve, mais je suis un truc justement, donc je vais pas me fatiguer le cou. Ça se voit pas comme ça. Vous avez les plus belles sculptures, des éléments qui sont suspendus à la voûte. C'est bien qu'il y ait des artistes qui aient fait ça. Voilà, donc si vous êtes un peu gêné ici, ce sera encore. C'est magnifique, au contraire, c'est très pratique. Je vais vous poser une dernière question. Je vous en prie. Je veux pas que vous me disiez le nom parce que je laisse mes amis dans le doute et qu'ils découvrent eux-mêmes où est cette chapelle. Je ne vais pas dire le nom. Mais par contre, je voudrais vous demander la date de construction approximative, en fait. Bon, évidemment, elle n'a pas été construite par un coup de baguette magique en un moment. C'est sûr. Mais vous n'avez qu'à prendre comme date, comme point moyen, 1550. 1550 ? Ça vous évite d'avoir le créneau. C'est une fourchette à 90 ans près, quoi. Voilà, vous ajoutez 30 à 40 d'un côté et 30 à 40 de l'autre. Exactement. Merci, monsieur. 1550, c'est 1550, oui. OK. C'est-à-dire 45 ans, en point moyen, 45 ans après Marignan. Waouh, impressionnant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon après-midi. Merci aussi.
sacrifiez pas les objets du culte qui sont là-bas. D'accord. Ils sont très jolis. Oui. Ils sont très jolis, c'est pour ça qu'il ne faut pas les photographier. Ok. Mais par contre, je vais dire à vos amis de venir les voir. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Mais il faudra déjà qu'ils trouvent, parce que je ne leur dirai pas où c'est. J'aime bien que les gens découvrent un petit peu d'eux-mêmes les choses. Vous êtes de Paris ici, non? Non, non, je suis de Paris, moi. De Paris. Moi, je suis de passage. Enfin, ça, je vais rester une quinzaine de jours. Vous leur dites dans un coin. Dans un coin, quelque part, en allant vers la pointe, vers la pointe du vent. La pointe du vent. Bah oui, c'est plus sympa, c'est gratuit, en plus, la pointe du vent, on paye pas. Il y a une chapelle. Et cette chapelle, elle est de 1550. Et je vais vous montrer un petit peu le travail. La personne qui a fait ça, la pierre, la façon dont c'est bâti, comment l'érosion de la pierre a donné ce résultat de jaune. Vous voyez, la matière de la pierre, ces choses-là. C'est plus une approche, on va dire, philosophique, en fait, finalement. Vous voyez ? D'accord. Je fais mon petit tour, hein, monsieur. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de, pas de souci. Non, non, c'est une démarche qui m'intéresse. Bah oui. Exactement. Ouais. C'est le but. Oui. Et cette insistance sur la pierre, les sculptures, oui. C'est parce que parce que j'ai toujours aimé ça. Parce que vous aimez ça. Mais ouais. C'est pas parce que vous êtes professionnel. Non. Par ça ou quoi. Non. Mais à force de s'intéresser, on devient après connaisseur. Ah ben oui. Mais après, chacun a sa propre approche. Vous avez des gens qui ne penseront jamais à regarder ce genre de choses-là. Oui. Moi, j'ai toujours été passionné depuis mon enfance par toutes ces. Par toutes ces matières-là, ces choses qui rappellent un petit peu la culture médiévale, vous voyez. Et on vit tellement dans un monde, finalement, de plastique, de métal, de verre, qu'on s'éloigne franchement des éléments naturels. Et là, on est sur une architecture totalement naturelle, qui laisse vraiment à imaginer cette période-là. Oui. On est face à la mer, les côtes, les rochers, oui, oui, c'est magnifique. Quoi. Tous les éléments sont réunis. Tous les éléments sont réunis, oui. Donc le triskel, tout est là, quoi. Oui. Hein oui, si je ne me trompe pas, on a... L'eau, vous avez peut-être m'arrêté, la l'eau, terre, feu, la terre et l'air. Et l'air, oui. Et après, il y en a qui parlent d'un cinquième, oui. Qui serait quoi, le brouillard, j'ai entendu ça. C'est ce qui se dit, ce que j'ai entendu. Ici, le brouillard, je vais être grand. Hein? Après, hein, voilà. Hein. Mais bon, déjà, avec les éléments que vous avez cités, ça fait un beau ça premier. Fait pas mal, ouais. Je crois que c'est que la plupart des philosophes sont d'accord sur ces éléments-là. Bon, après, qu'il y en ait certains qui cherchent à en rajouter un petit peu. Ça, c'est sûr. C'est pour laisser une trace. Oui, oui. Et puis le brouillard serait qu'un mélange, finalement, d'un petit peu du vent, un petit peu de tout, quoi. De la terre, de l'eau. Ah, c'est de... ça. Oui, oui, oui. Ouais. Le brouillard, c'est de l'eau, finalement, de l'eau un peu vaporisée. Et vous travaillez là, alors? Ah, moi, je... Vous êtes bénévole, vous êtes... bénévole. Ouais, vous êtes bénévole. Oui. Oui. J'avais été faire Notre-Dame de Paris, il n'y a pas très longtemps... Et j'avais discuté pareil avec un monsieur bénévole, tout ça. On avait parlé un petit peu de... Non, pas de Notre-Dame de Paris, la cathédrale d'Amiens. Une très jolie cathédrale. Gothique, c'est un autre style. Et c'est d'autres codes. Vous avez des labyrinthes au sol, vous avez des ogives croisées. Enfin, c'est pas la même époque, c'est pas la même... C'est pas la même époque, c'est pas la même destination, c'est pas la même culture. C'est pas la même culture, c'est pas la même approche, c'est pas le même truc. Parce que si ici, ça a été fait en 1550... On voit que les cathédrales, elles ont été faites en 1200. Oui, oui. Et ils étaient arrivés à un niveau de perfectionnisme absolu. Mais après, ici, on vient ici, et voilà, et ça rappelle autre chose. C'est un autre univers. Et puis peut-être qu'ici, avant 1950, il y en avait une autre qui était déjà là, et ils sont peut-être inspirés de ce qu'il y avait avant pour la refaire. Il y avait sans doute quelque chose. Bon. Mais après, il n'y a pas de traces très nettes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que Amiens, c'est une cathédrale. Ici, c'est une modeste chapelle, même si elle est grande. Bon, non, elle est très belle. Bon, j'avance un petit peu, parce qu'on m'attend en plus. Ah, voilà. Merci, monsieur.
je le repose, hein, la petite, oui, toujours, monsieur. Ce qui m'a plu le plus, c'est tout. C'est tout, c'est, ah, la, effectivement, c'est la conception de. C'est un mot concis, tout. C'est la conception de, je veux dire, de la chapelle. Il n'y a pas un objet de culte qui me plaît plus l'un que l'autre. Ce qui me plaît le plus. Qu'est-ce qui m'a plu le plus? C'est difficile. Ce qui m'a plu le plus. C'est cet objet-là, vous voyez, en face de nous, en bois. Vous a plu ou surpris le plus? Qui m'a plu le plus. Plu. C'était la question. C'est ce qui m'a plu le plus. Et je reste même intrigué par, par l'objet, parce que je n'ai pas toutes les connaissances à ce niveau-là. Ah. Si vous pouvez m'en dire un petit peu, ça m'intéresserait d'ailleurs. Qu'est-ce à dire? De savoir un petit peu sur cet objet, en fait. Quoi il sert? Oui. Pour les enterrements. Mmh. Il plaçait donc le cercueil dessus. Dessus. Mmh. Oui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Oui. Il le plaçait dessus. Mmh. Mmh. Le cercueil, quand il y avait un cercueil. Oui, oui. C'est très, très impressionnant. Quoi. Parce que vu qu'il y a des petits bancs sur les côtés. Oui, qui se. Il servait à quoi? C'était après pour les gens, pour ça. Les petits bancs sur le côté, comme vous pouvez le regarder. Le voir sans y toucher, on le voit tout de suite, ils ne sont pas fixés au châssis. Non, non, au châssis. Du tout. Oui. Donc en fait, c'est pour mettre sur les bords, et ça peut être pour s'agenouiller, ou éventuellement pour poser des cieux, pour s'agenouiller plutôt. Oui, parce qu'après, ils laissaient le cercueil pour la cérémonie, et les gens pouvaient disposer leur. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Oui, ça c'est. Mais le travail du bois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup les maquettes de bateaux. Les maquettes sont jolies. Voilà. C'est un beau clin d'œil à la région. Oui. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est ce qui m'a plus plu. Et puis les motifs. Les sculptures. Les motifs sur le plafond de couleur rouge, vous voyez? Ah, d'accord, les peintures. Les peintures. Mmh. Les motifs de peinture anciens. Mmh. Parce que ça, je pense que ça remonte à. Ça doit être du 17e. Oui. Hein? Oui. Oui. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, voilà. Bah, c'est bien. Voilà, monsieur. Et puis, votre présence, parce que votre accueil m'a beaucoup plu aussi. Merci. Et si vous avez des amis qui passent, c'est bien qu'ils viennent. Ah, faudra qu'ils trouvent où c'est. Hein. Et puis, ne jamais oublier. Et puis, j'en ai pas 100 000, hein, vous savez. Mais il ne faut jamais oublier ça en France, les gens l'ignorent complètement. Les Allemands. Au revoir. Au revoir. Une illustration parfaite. Les Français ne savent pas à qui appartiennent ces immeubles. Mmh. Ne savent pas qui les entretient, qui fait les travaux donc, et ne savent pas comment ils sont financés. Or, les éléments de réponse sont simples. À qui ça appartient? À la commune. Mmh. Qui doit faire les travaux? La commune, sous la surveillance des monuments historiques. Maintenant, on appelle les bâtiments de France. Tout à fait. Et qui les finance? Ben, c'est nous, en partie, et c'est les personnes qui viennent déposer. Exactement. Voilà. Exactement. Or, on constate une chose qui est très fréquente, c'est nous. Mmh. Attention. C'est la commune qui fait faire les travaux. La commune peut demander des subventions. Tous les travaux ne sont pas subventionnables. Tous ne le sont pas. Et les bâtiments de France ne subventionnent jamais en totalité. Mmh. Et laissent une partie importante. Ah, bien sûr. L'entretien, à la commune. Il est faramineux. À la moi, commune. Je l'ai vu sur les cathédrales. Ouais. Je discutais avec une dame. La dame, elle disait, c'est lamentable qu'ils mettent un système de charpente, pas de charpente, un système de, comment dire, métallique pour soutenir, en fait, la cathédrale, parce qu'elle commence à s'affaisser, en fait, hein, pour faire simple. Elle me dit ça comme ça, voix haute, en me regardant, parce que je regardais. Je lui dis, mais madame, vous avez qu'à donner un petit peu d'argent aussi, si tout le monde donnait un petit peu. Exactement. Parce qu'elle me dit, ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Exactement. Mais ce qui est inadmissible, on peut le corriger. Si tout le monde, mais le problème, c'est qu'il y a aussi peu de gens maintenant qui sont attirés par ces choses-là. Non, mais ça fait parce que les nouvelles générations, ils sont que passionnés par leurs écrans, par leurs ordinateurs.
Ils vont plus vers ça, ou alors ils vont y aller plus tard, sur la quarantaine peut-être. Il y a une question de mentalité. Il y a une question de mentalité aussi. Mais on perd cette mentalité-là. Les Allemands considèrent de façon générale que quand ils visitent quelqu'un, ils doivent, entre guillemets, payer. Mmh. Les étrangers italiens le font assez volontiers aussi, les Espagnols aussi. Mmh. Les Français considèrent que c'est un bien public dans lequel on peut rentrer comme on rentre sous la halle d'un marché. Bah oui. Après, c'est un lieu aussi où on vient pour, les gens qui ont la foi. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour se reposer un petit peu et essayer de communiquer avec la dernière personne. Oui, mais... avec la personne qu'ils ont emmenée jusqu'au bout. Tout à fait. Et la dernière fois qu'ils ont vu cette personne, c'est souvent dans une église. Donc les gens, ils ont besoin des fois de venir là sans payer, parce que ça ne sert à rien de payer à chaque fois. Mais c'est pour ça. Pour avoir la foi. C'est pour ça que c'est un accès gratuit, c'est parce que l'Église le demande. Ben oui, il faut. L'Église le demande. Mais beaucoup de gens viennent en fait, pas pour cette raison, mais pour visiter, mais oublient que rien ne se fait sans rien. Ben oui. Et ici, c'est une petite commune, ben la petite commune, elle ne peut pas payer. Ben donc en fait, ce sont les visiteurs. Et comme j'expliquais ça un jour à des gens qui sont passés, ils m'ont répondu par cette phrase superbe, on s'en fout, on l'a vu. Oui, mais ça, là, vous êtes tombé sur des... Vous voyez, moi, je suis... Des extrêmes. On peut aussi venir comme ça, on se gare, on arrive, on vient, on est là comme ça. Non, mais c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, c'est tous les jours, c'est tous les jours. C'est la façon de... C'est l'attitude que toujours on va avoir. On peut venir une fois, deux fois. Moi, je vais très souvent dans un lieu de culte. Sans mettre une pièce, je dirais. C'est évident. Moi aussi. Et très souvent aussi, je vais faire le contraire. Et très souvent. Voilà. Oui. Là, aujourd'hui, je ne mettrai pas. Non. Parce que je ne peux pas. Parce que justement, la discussion qu'on a eue, fait que je ne peux pas. Je suis venu comme ça, en fait. Oui. Vous êtes venu. Je me suis garé. Un coup comme ça. J'ai mangé un sandwich. Oui. Parce qu'en fait, il fait trop chaud dehors. Oui. Et j'ai vu la route pour aller, vu que je vous disais, je vais à la pointe du vent. Oui. Et j'avais besoin d'ombre, le temps de manger. Oui. Après, je me suis dit, bon, je vais voir la chapelle, c'est mon truc. Je vais voir la chapelle. Se mettre un peu à je laisse le chien à l'ombre et tout, je laisse le sac et tout, et je vais voir ça, et je vais découvrir ça à mes amis. Mais vous faites bien. Voilà. Vous faites bien. Moi, c'est cette, démarche-là. Et, vous faites bien. Et la prochaine fois, quand je reviendrai, je vous ramènerai un petit quelque chose. C'est pas pour ça. Mais ça sera pour. Mais ça sera pour. Comment dire. Ce sera pour l'ensemble. Si je vous le dis, c'est pas pour ça. Pour l'ensemble des choses que ça peut apporter pour ici, pour ce petit. Non, mais si je vous le dis, c'est pas pour ça. C'est parce que manifestement, ça vous intéressait. Ah oui, oui. Et quand on s'intéresse à quelque chose, il faut bien comprendre aussi que ce quelque chose ne peut exister que parce qu'on continue à le faire exister. Voilà. Allez. Et si on ne continue pas à le faire exister, ben c'est fini. C'est ça. Le jour où il n'y a plus de personne pour ouvrir, c'est fini. Oui. Le jour où il n'y a plus de personne pour s'occuper des travaux, c'est fini. Oui, mais il faudra que l'Église, elle fasse aussi un peu de... À l'Église, ne fait pas. L'Église, elle est affectataire. Je sais, juridiquement, mais il faudra qu'ils essayent un petit peu Je peux vous dire de faire revenir un petit peu ça, parce que sinon, voilà, ça va aller loin, sinon on va se rendre à ce sujet-là. Mais quand on voit les autres religions... qu'on a en France, la façon dont c'est la propagande qui va avec et l'importance que ça prend. Et nous, à côté, on laisse complètement nos jeunes, on laisse complètement ça va très loin, comme vous dites. On laisse nos citoyens, on laisse tout le monde comme ça. Et après, on va presque vous prendre pour un fou si vous vous intéressez à ces choses-là. On va vous prendre pour une personne un petit peu marginale qui s'intéresse à des choses comme ça, alors que plutôt... personne ne devrait être en train de travailler, sur faire de l'informatique, être dans l'immobilier, être dans la bourse, mais il n'y a pas que ça aussi. Tout à fait. C'est cette nouvelle société capitaliste qui est, pour moi, vraiment à l'origine de toute cette mentalité-là. Mais je suis sûr parce que qu'on c'est peut nous et ça reviendra. Pour moi, c'est une période qui commence à arriver à son bout, et ça se voit aux États-Unis. Je veux dire, à long terme, sur 300 ans, 500 ans, 1000 ans, ça... Mais sous d'autres formes. Voilà. Et entre-temps, tout ceci aura été abandonné, Mais ces choses-là,
Ces choses-là resteront, ces choses-là sont, elles sont là depuis, choses qu'on retrouve depuis 2000 ans, 3000 ans, il reste des choses. Elles ont été très bas. Ah, elles ont été très bas. Elles ont été très bas. Et je peux vous dire, parce que c'est moi qui me suis occupé des travaux. C'est vrai, on vous prendra presque pour un hérétique, parce que vous vous intéressez à ces choses-là, c'est presque le contraire maintenant. Moi, je me suis occupé des travaux ici, au cours des dernières années. Il y a 3 ans, vous aviez l'eau qui arrivait jusque-là. Bon, monsieur, je vais vous laisser. Allez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Et ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Bonjour. On est ensemble. Vous attendez. Eh oui. Oh là là. Bonjour, monsieur. J'espère ne pas être la cause. Non, du tout. D'un désagrément. Non. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, je ne vous ai pas dit où c'était, les amis. Que je vous laisse sur cette pensée-là. Je suis attendu. À bientôt.